vieux. Ah. Déjà bon. On va être honnête. On est dans la merde. Laisser dans sa merde et rentrer dans le bâtiment. Non mais c'est même ça, pas une question. C'est même pas une question, je vous dis, on rentre maintenant. Snake il est mort, hein. Si on fait ça, il est mort. Oui mais en fait, si on fait pas ça, on est tous morts. Tu vois le gros chat là. Et ben, il va sauter. Le gros chat? Quel gros chat? Le gros chat avec des écailles qui a failli nous tuer tous les quatre. Bah... Donc en gros le plan, en gros d'après toi le mieux ce serait quand même de ramener, on pourrait le ramener éventuellement. Non, on pourrait éventuellement exploser aussi. Est-ce qu'il est mort ce cheval là? Tous oui. Sont morts. Putain, ils font chier, on aurait pu le mettre sur la charrette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est susceptible de tirer la charrette? Non. Je vais faire un test pour Luanalia pour voir comment elle va réagir. Parce qu'éventuellement, je pensais pour. Se fait une panique genre, quelqu'un fonce, mettre Mauriac sur la charrette, il monte sur la charrette avec, et l'autre, il y a quelqu'un qui tire la charrette. Ok, on fait un truc plus simple. Je mets une tête au truc, il recule, il est sonné. D'ailleurs, je vais même pas faire ça. Je vais utiliser ma capacité pour le repousser quelques mètres en arrière. Ouais. Le nain, ouais. Pendant ce temps-là, tu vas le récupérer, tu poses l'autre à terre. Je prends le blessé, je le ramène à l'auberge et on rentre tous dedans. Comment ça Je peux résumer Mauriac. Après, s'il sait courir vite ou pas, quoi. Non, mais c'est pas le problème, c'est qu'on n'a pas le temps, là. Ouais, j'avoue, on n'a pas le temps. Ce truc, dans 10 secondes, il saute. C'est pas hyper long, c'est un... Il va nous sauter dessus, pas à côté, dessus. Dessus. Enfin, je veux dire, il est carrément à distance. Enfin, là, franchement, c'est vachement il est 5 ans. Franchement, le réanimer, il est caché derrière un putain d'hurleur de 3 mètres, c'est pas possible. Du coup, je te fais un jet pour le tirer dans la tête d'hurleur. Siegfried ? Oui. Non, plus de MJ. 37, ça passe. Et j'utilise ma capacité pour repousser comme je te dis. Oui, tu concentres encore une fois ton énergie et tu lances une salve dans sa tête ou dans son poitrail? Dans la tête, parce que si c'est une balle qui repousse, il y a beaucoup de chances que ça le décapite. Très bien. Tu vas me lancer ton dé de dégâts. C'est sur 6 ou sur 8, je sais plus, cette capacité. Cette capacité est sur 8. Ah. 7. Nice. Décapitation. Très violemment repoussé en arrière. Ah. À ce moment, c'est la chance. C'est un peu rush quand même. Luanalia bondit au-dessus du cheval et attrape Mauriac. Oh, beau jeu. Beau jeu. C'est beau jeu. Du coup, moi je vais juste me retourner, finir mon tour parce que je pense que j'ai pas le temps de courir pendant que les autres font. Effectivement. Tu remarques la femme ici arborait une expression de panique. Bah, je vais l'attraper par la main et commencer à courir pendant que les autres font leur tour. Tu lui avais pas déjà dit d'aller se tailler dans l'auberge? Si, je lui ai fait un signe, mais elle m'a pas forcément écouté. Par contre, cette fois, je la chope par la main et je la prends. Un craquement sur le toit. Le Caron vient de sauter sur le toit. Ok, je commence à courir. Non, toi, oublie pas que t'as mis un javelot dans la jambe de tout le monde, t'as fait un petit partage à la Uno. Tu nous as tous mis un petit javelin, donc c'est cool. Lui aussi s'est pris un javelot. Oui, moi aussi j'en ai dans la gueule. Viens, fais un PV, mec. Ah, t'as un PV en fait. Ouais, j'ai un PV. T'as une brindille, il meurt. Erin, Roderick, c'est à vous. Bah, très bien. Bah, là, on a pas 36 choix. Genre, je vais essayer éventuellement. Pour pas mettre en danger les autres comme ils sont derrière, je vais essayer d'attirer l'attention du Caron. Genre pour qu'il s'énerve. Enfin, de toute façon, j'ai pas envie qu'il détruise les gens derrière, sinon ce serait vraiment la merde. Le mec s'est cru dans un film de série B, tu sais. En mode hey, c'est moi que tu veux. Non, mais bah, c'est une bête, mon gars, c'est une bête. Il est pas intelligent. Il veut juste te tuer, quoi. T'sais. Du coup, je vais faire. Avec ton petit marteau, vu que tu vas en mettre 20. Comme je brille. Je suis en armure de plate, je brille. Donc je vais faire des doigts d'honneur. Hé, viens. Hé, ta mère, elle t'a adopté. Alors que tu commences à proférer ces mots, le Chiron retourne sa tête vers toi. T'en dis quoi sur ma run? Tu vois
sa gueule écumante d'acide. C'est pas cool. Plonger ses yeux de désespoir vers toi. D'accord. Courez ! Un nuage de poison commence à se déverser lentement de sa gorge. Allez pas insulter sa maman. Courez ! Non mais mon but c'était de gagner du temps pour les gens derrière. Hein. Ouais mais du coup tu leur coupes le chemin avec le poison maintenant. N'importe quoi, le but c'était de gagner du temps. Hein. Je vois pas en quoi le fait d'avoir... Erin, tu vas me faire un test d'extérité. Dextérité. En plus j'ai une petite dague dans les poches, je crois. Non, je l'ai retiré, je suis pas complètement. Tu l'as retiré. J'ai dans ma poche. Et tu as un bonus de plus 10 parce que tu as proféré des insultes sur sa mère. Et merde, putain. Putain, mon token s'est trouvé Charlie, quoi. Il est où ? Tu as combien en dextérité ? 50. Tu as 50, tu as fait 65. C'est un échec. Coucou ! Tu tentes d'échapper au poison, mais celui-ci te touche à la main droite. C'est fini la branlette. Ton gantelet commence à fondre sur toi. C'est sérieux, mais... Enlève-le. Mieux vaut perdre une pièce d'armure qu'une. Ouais, bah oui, bah oui, non mais là, il fond sur moi, genre littéralement, genre c'est du métal qui fond sur ma main. Oui. C'est comme de l'acide. Si jamais je laisse fondre, est-ce que ça me fait une main en métal, genre cyborg? Oh, mec, il a rien compris. Ta main commence à te piquer. Okay, oh, la main, je avec. Hein. Ok, je l'enlève mon gant, enfin j'essaye en tout cas. Tu y arrives, effectivement. Toutefois, tu vois que le Kéron a une face encore plus haineuse envers toi. Est-ce que je peux lancer mon gantelet sur le Kéron pour qu'il l'attrape comme un chien? Cours! Va prendre le nonos. Non mais je lance, tu peux je essayer. Lance, je cours. Je Rodrigue, le lance et... tu... Non, pardon. Mauriac, tu remarques Luanalia penchée au-dessus de toi tandis que tu sombres dans la conscience. Est-ce que tu dis quelques mots? Elle profite pas pour mater. Hein. Non. Je dis rien du tout. Sacré décolleté. En tout cas, juste mon but pendant tout ce temps-là, là, c'était juste de donner du temps aux gens derrière de courir. Alors courez, bordel. L'auberge, elle traîne avec difficulté, Mauriac. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a un pic dans le ventre. Elle a un pic dans le ventre et elle avait déjà été gravement blessée avant. Ah ouais, c'est vrai. Hey, Dern, qu'est-ce que tu fais? Moi j'empoigne la... Atkal ou je sais plus comment. Aïkal, je vais l'empoigner et puis on va rentrer dans l'auberge. On va faire des choses. C'est dégueulasse. Non mais genre on va commencer à barricader, enfin préparer avant... juste vous entrer et puis on est prêt à barricader quoi. Roderick, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux courir et caster un sort de soin? Oui. Pas courir, trottiner quoi. Boitiller. Tu peux boitiller, effectivement. Oui, je peux boitiller, qu'est-ce que c'est un sort de soin? Oui. Le mec, il a des becs imaginaires, il boitille. Non, mais de toute façon, mon soin, c'est un soin de zone, du coup, ça devrait toucher à peu près tout le monde qui est là. Qu'on est assez rapprochés, là. Faut encore. Bah, moi, techniquement, donc... plus, je suis dans l'auberge avec l'autre. Attends, c'est quoi déjà? Merde, un des 100. Slash R, un des 100. Qu'est-ce qu'il fait s'il se loupe? Slash R. Slash R, espace, un des 100. Oui, slash R, c'est plus intéressant. 83. Mais non, mais c'est sérieux? Ta magie semble toujours se refuser à toi. Tu commences à l'invoquer une nouvelle fois, mais tu as juste des petits éclats lumineux qui apparaissent dans tes mains et non réellement de véritables boules de lumière qui soigneraient tes alliés. C'est à côté de ton personnage, t'as une petite icône de batterie vide. Genre. Du coup, je peux quand même bouger mon token. Oui. Okay. Va te mettre à l'abri au lieu de faire des conneries. Je vais me mettre là, tu vois. Voilà. Tout ce que tu essaies de faire, ça foire. Alors, va te mettre à l'abri, putain. C'est celle-là, l'auberge. Oui. Okay. Non, moi, je suis déjà rentré dedans, donc fais-moi disparaître, grand et fabuleux MJ. Avec la bombe. Et elle aussi. Ouais. Erin, qu'est-ce que tu fais maintenant que toute l'attention du Kéron est fixée sur toi et qu'il a exalté une première fois son poison sur toi?
Cours, putain. Eh bien, je voulais balancer le putain de gantelet et courir. Vas-y, je te laisse faire un test toutefois de vigueur pour courir. Donc je lance mon putain de gantelet, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en bat les couilles? Oui. Ok, c'est raté. On va essayer, je cours en vigueur. Oui. Allez, fais pas chier. Ça raté passe. Non, c'est bon, ça passe, c'est rien. C'est bon. Tu arrives à t'extraire de la zone juste avant qu'il crache un jet de poison. Il te vomit dessus, c'est dégueulasse. Par contre, on a quand même laissé les gens derrière dans la merde. Je vais faire un test ouvert pour Lionelia. Allez, de pas le vigueur également. Elle a combien? Bon là, normalement, ça passe. C'est tout juste réussi. Putain, elle a 50. Ouais. Ou alors elle a 48. À 47. Elle parvient ça avec passe. Difficulté à esquiver le jet de poison et à faire esquiver le jet de poison à Mauriac qui est inconscient. Mais le laisse tomber en cours de roue. J'arrive même pas. Roderick, est-ce que tu fais quelque chose avant de rentrer ou est-ce que tu rentres directement? Non, moi je rentre. C'est le mec qui rentre, il fait je suis vraiment à chier, il rentre. Très bien. Je rentre. Et je fais. Edirne, fais-moi un sandwich dont tu as le secret. Non, c'est le thé magique. Erin, avant de rentrer, est-ce que tu fais quelque chose? Eh bien... Ouais. Je lance mon autre gant. Avant de rentrer, bah je suis juste devant la porte, là. Oui. Y a encore... Est-ce qu'il y a encore Lionelia derrière moi? Elle est à quelques mètres. Très bien, bah je vais rester à la porte et je vais l'attendre et dès qu'elle arrive, je vais l'aider à faire rentrer l'autre sac. Alors, je vais faire un test pour voir sur qui le Kéron va concentrer son attention. Je vais faire un test ouvert. Je vais lancer un des deux. Erin, tu veux le 1 ou le 2? Ça m'est égal. Choisis. Vas-y, va pour le 2. J'en fous. Yes. Qui s'est passé, du coup? Bah, le Kéron tourne sa tête dans la direction de Lionelia. Mais merde, t'es vraiment con. J'ai réussi à me barrer. Tu mec, fous la merde, des PV. T'as des PV, tu peux tanker. Et toi, tu mets son attention sur un mec dans le coma et une meuf à moitié blé, à moitié crevée, quoi. C'était pas le but à la base. Non, mais il est ce qu'on appelle communément un connard. Je voulais vous aider à rentrer pour l'instant, j'étais juste. La veuve et l'orphelin. Je vais faire un test pour le Kéron pour voir comment il réussit son attaque. Il crache un jet de poison très précis sur l'épaule de Lionelia. Celle-ci tu viens de lancer un jet de poison sur l'épaule de Lionelia? Oui. Ok. Tombe au sol. Oh putain de merde. Erin ressort. Erin, je te laisse 5 secondes pour déterminer ce que tu vas faire. Ce que je vais faire, bah là j'ai dit, là ils sont... Bah, ah ouais, je vais quand même courir vers eux, essayer de m'approcher vers eux et tirer Lionelia qui tire elle-même le sac. Je l'appelle le sac parce que c'est un sac. Il m'a mis une putain de dague. Donc je vais m'approcher d'eux et je vais les tirer. Je vais te faire un double test, un test de vigueur pour pouvoir les tirer, mais aussi un test de dextérité pour éviter le poison et aussi ne pas trop t'attirer l'attention du Kéron. Dans un seul test ou dans deux tests séparés? Deux tests séparés.
Tu choisis lequel tu fais en premier. Je commence par la vigueur pour arriver à courir. Très bien. 60. C'est totalement raté. Est-ce que j'arrête là? Vigueur? J'ai totalement raté ma vigueur. Est-ce que je fais quand même le dextérité? T'as fait un crit, oui, donc... Tu fais la dextérité pour pouvoir esquiver le poison. Tu n'arriveras en fait pas à les tirer. Et merde. Et c'est raté aussi. Ouais, c'est vraiment une merde. Tu te prends à nouveau un jet de poison. Où ça? Au niveau du pied. Ah ça va, à chaque fois il me touche aux endroits. Enfin, au niveau plutôt de la jambe. Plus exactement. Ah merde, en plus j'ai une armure de plaque ici. Oui. Ah putain, il casse les couilles. Hein. Là c'est en train de fondre sur moi, mais bon, j'ai pas le temps d'enlever mon armure, donc je vais. Est-ce que je peux rien faire en fait. Bah, je vais revenir vers l'auberge tranquillement en gueulant. J'ai mal. Ta jambe te pique. Oui. Ta vision. Commence à se troubler. Enfin, de toute façon, je peux pas enlever mon armure. Tu subis 2 points de dégâts. 5. Hop. Je commence à douiller là. T'as perdu des points d'armure? Non, pas d'armure, de dégâts. Ah d'accord. J'ai mal compris. Mauriac, tu es hors jeu, toutefois à la limite de ta conscience, tu ressens que tout ne se passe pas comme c'était prévu. L'Analia gémit à côté de toi. Erin agit. Aidian, Roderick, vous entendez encore du tumulte à l'extérieur, vos amis ne viennent pas. Comment réagissez-vous? Vu que toi t'es un peu dans le pâté, je pense que tu vas pas y aller. Ouais, mais est-ce qu'on peut juste ouvrir la porte, voir ce qui se passe? Oui. Est-ce que c'est à peu près sans danger? La réponse à cette question est bien évidemment non. Je peux tenter un truc? Sans danger, mec, s'il te plaît. C'est comme des merdes. Sans danger d'ouvrir la porte, je parle. Sans danger d'ouvrir la porte, oui. Oui, voilà. Aidian, tu disais. Bon! C'était pour ce moment-là que j'ai prévu le truc, donc je vais prendre ma caillasse, je vais tirer une balle, je vais la jeter en l'air, enfin, je vais aller dans l'ordre. Je cours avec eux, je les ramasse, je prends ma caillasse verte magique qui peut faire une explosion semi-nucléaire, je la jette en l'air, je tire une balle, je me tiens, avec eux. Très bien. C'est le dernier espoir, ça va tout défoncer sur un putain de kilomètre, et vu qu'on sera en sous-sol, on prendra rien. Ok, moi je vais ouvrir la cave. Très bonne idée. On n'a pas le choix de toute façon, c'est ça où on crève. Aidian, tu reviens au combat. Tu vas me remettre tes PV et ton mana, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Hop. Je te laisse faire tes tests pour tes actions et les détailler au fur et à mesure. Tu m'en demandes combien de tests? Dis-moi l'action, je te dirai quel test faire. Alors, dans l'ordre. Premièrement, je vais courir jusqu'à eux. Ça, je ne vais pas te demander de test. Très bien. Ensuite, je vais prendre les deux sur chaque épaule une. C'est pour ça qu'il faut faire un test. Je vais prendre chacun l'un des deux sur une des deux épaules. Et juste avant de faire cette action, je vais jeter ma caillasse en l'air, d'accord? Très bien. Et tirer une balle dedans. Tu vas tirer dans la caillasse. En fait, si tu veux, mon caillou magique... Quand il devient instable, il prend quelques secondes à exploser, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc je vais faire ça, tirer une balle, les prendre, les ramener rapidement et ça va exploser entre temps. Très bien. Je vais te laisser faire. Juste petite question, pourquoi tu mets pas ta caillasse juste au bout de ton fusil pour tirer? Parce que sinon mon flingue m'explose dans la main en prime. T'avais pas dit qu'il explosait au bout de quelques secondes? La caillasse explose au bout de quelques secondes. Si je bouche le trou, le tir explose en canon. Sérieux? Oui, bah ouais. Ça va l'expulser. Et mon seul moyen d'activer, c'est de mettre un choc assez puissant dessus. Il a des balles explosives. Okay. J'ai des balles explosives, donc pour l'activer, c'est pas dégueu.
Donc combien de tests? Problème, c'est que c'est quand même un petit Alors, caillou tu vas attiré dans le désert. Faire un premier test de mental combiné pour pouvoir tirer une balle dans la pierre magique que tu as envoyée. Très bien. Ça passe, 10. C'est même une très bonne réussite. Tu vas faire un test de dextérité pour éviter les jets de poison. Ça passe. Ensuite, pardon, ça passe pas. 92. J'ai confondu avec 29. Tu fais un dernier test de vigueur pour porter les deux personnes. Très bien. Oh. Très bien. Donc, on va faire dans l'ordre. Tu arrives parfaitement. Tu contrôles, c'est quasiment comme si tu calculais la trajectoire à l'avance. Tu lances ta pierre en l'air et tu tires une balle sur celle-ci. Celle-ci grésille, des volutes énergétiques se mettent en place tout autour d'elle. Elle éclaire la nuit. Bien plus fort que tous les incendies qui sont autour de vous. Pendant ce temps, tu cours vers tes amis, ici. Je te laisse déplacer ton token. Malheureusement, tu subis des jets de poison de la part du Chiron. Ça, c'est pas grave. Ouais. Je lance le dé de dégâts. Tu as combien de points de vie? J'en ai 6. Tu parviens à esquiver un des jets de poison. Tu t'en prends toutefois 2. Un au niveau de la jambe et un au niveau du dos. D'accord. Tu subis 5 points de dégâts. Survivant. Très bien. Grâce... ta réussite critique pour tirer tes deux amis, tu parviens in extremis à les ramener vers l'intérieur de l'auberge. L'adrénaline! GG! Erin. Alors là? Est-ce que tu fais une dernière action? Bah non, là je suis à 2 cm de la porte. Chaque fois que je me retourne, je me prends un jet de poison donc je vais rentrer. J'ai déjà trop mal à la jambe. Tu subis mal. Effectivement, tu perds un PV effectivement dû à l'acide qui continue de brûler ta jambe. Bon du coup, j'ai super mal, j'avance en boitant. Réfugie-toi la... J'ai tout réussi, ça, réfugie-toi. Oui c'est ça, c'est ce que je vois, hein, clairement, voilà. Je boite et je rentre. Et j'enlève ma putain d'armure à la jambe. J'avoue que t'es le plus en PV, moi j'ai un point de vie et c'est quand même presque 17% de ma vie. Moi j'ai un point de vie, c'est plus de 10% de ma vie. Donc merde. Tu sais ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas mal en vous parvenez, avec très grande difficulté, à rentrer à l'intérieur de l'auberge. Quand je rentre dans le bâtiment, je peux gueuler « Tous en bas !» Oui. Parce que ça va faire un gros bout. Et évidemment prendre Aïkal parce qu'elle comprend pas. Oui,